900 collégiens sur scène, des anciens élèves, des instrumentistes professionnels et un public venu très nombreux au Stadium d'Agen. Le récit d'une soirée inoubliable, riche en émotions et en trac, et point d'orgue d'un projet d'une année. Voilà, top départ. Alors c'est une idée de Christian Ferrullo, qui est le président de la commission de l'éducation. Il avait vu un projet de cet ordre-là avec un orchestre symphonique et puis un groupe de jeunes qui chantaient, qui interprétaient le répertoire classique. Il y a déjà beaucoup de chorales qui fonctionnent dans les établissements du Lot-et-Garonne. Il y a des profs qui sont très dynamiques, qui ont envie de travailler ensemble. Beaucoup d'enthousiasme, on est pressé que ça arrive. C'est toujours un bon stress les spectacles comme ça. Bon, on a révisé, on connaît, et voilà, c'est le bon stress qu'il faut, et c'est ce stress-là qu'il faut pour chanter après, et peut-être pour faire quelque chose de bien, quoi. Bien respirer, parce que la respiration tout à l'heure, tu l'as fait trop tard. Un petit peu de stress, évidemment, beaucoup de joie, l'envie d'y aller maintenant, après le travail d'un an, et avec tous ces choristes et tous ces musiciens, il est temps d'aboutir et de, ça y est, que la musique commence et que le spectacle commence. Oh, s'il vous plaît, merci. Non, visiblement, c'est pas possible. Là, on est un petit peu fébrile, avec la chaleur du public qu'on sent, cette clameur, et puis la petite angoisse viscérale qui préside à tout concert, qui va nous permettre de rester vigilants et qui va, je pense, aboutir à un concert magnifique, surtout ce soir avec tout le contexte autour d'Alban, qui dirige son dernier concert.
trouve que c'est magnifique. Je l'ai regardé un petit peu tout à l'heure d'en haut du stadium et je le trouve très touchant comme personnage. Pourtant, je ne le vois pas de face. C'est dire qui l'envoie. Non, je trouve ça magnifique de générer ça et autant de ferveur. Remplir le stadium, c'est pas rien. Autour d'un événement comme ça, qui est la musique, je trouve ça fantastique. Vraiment de beaux messages d'espoir, d'amour, de fraternité, de solidarité. Alban, les enfants, les jeunes, les adultes, intergénérationnels, super. On apprend de tout, on apprend des chansons qui ne sont pas du tout notre génération, mais ça permet d'élargir notre culture musicale et c'est bien. Il n'y avait rien à redire, c'était parfait et on s'est régalé. C'était super, je me suis éclatée. J'ai pu rencontrer Stéphane Rizon, j'ai eu un autographe et puis surtout, on a rendu hommage à Monsieur Lapeyre et c'était génial, quoi. Ils ont été fabuleux parce que 2h30 debout, à chanter, à donner tout ce qu'ils avaient dans le cœur et vraiment, ils ont été extra. C'est très difficile pour des enfants de ne pas bouger pendant 2h30 de spectacle. Et ils apprennent ce qu'est le collectif, ils apprennent le respect, ils font un effort de mémoire énorme, cette chanson par cœur. Et puis ils ont le sens du collectif, ils savent que s'ils font une bêtise, ça va rejaillir sur le groupe. Et en fait, c'est une forme d'éducation. Aujourd'hui, on en a bien besoin.